Départ de la 7e épreuve, alors un bon départ pour Don't On Me. G.I. Joe ne peut partir cette fois-ci. Il y a cependant Alain Miri qui garde la corde et qui va lancer l'épreuve avec Don't On Me pour le Star Well Connected en dehors. G.I. Joe, Bollinger, Bound by Duty, Saint Path, Boria et finalement Do or Dare. Alain Miri est parti sur de bonnes bases. Précède Apollo Star, Don't On Me, Well Connected va tenter maintenant d'aller taquiner Alain Miri en tête de cette épreuve. Et puis G.I. Joe, le favori, se retrouve tout juste derrière Bollinger, Bound by Duty, Saint Path, Boria. Et ensuite, on retrouve Do or Dare, toujours en queue de peloton, avec l'avantage toujours pour Alain Miri. Donc en bon leader devant Well Connected. Puis on retrouve Don't On Me. G.I. Joe suit très bien dans le dos d'Apollo Star. Saint Path va tenter maintenant d'améliorer sa position. Bollinger, Boria toujours scotché à l'intérieur, à son extérieur, Bound by Duty. Et Do or Dare avec Alain Miri sous la menace de Well Connected. Apollo Star bien placé. Et Don't On Me, G.I. Joe doit commencer son effort. Saint Path se met en évidence. Boria, Bound by Duty et Do or Dare. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite finale avec toujours Alain Miri, Apollo Star. Boria va chercher l'intérieur. Alors toujours Alain Miri, Saint Path à l'extérieur. Boria à l'intérieur lancé par Stephen Donohue. Boria va se démarquer de ses adversaires. Boria s'impose facilement devant Bound by Duty, G.I. Joe et Alain Miri. Il est parti chercher l'intérieur.